travailler, c'est prier trois fois. Si tu travailles au bien-être des autres, il n'y a rien de plus fort comme acte de foi. Ce n'est pas juste des incantations. Quand tu cries, tu fais des louanges, c'est bon. On dit quand tu chantes déjà, c'est prier deux fois. Quand tu travailles alors, c'est prier trois fois. Donc si on veut faire la religion là, ça veut dire qu'on veut que le royaume promis par Dieu s'incarne ici sur terre. Contribuons massivement en travaillant. Ce n'est pas aller se coucher et se couper de la réalité et croire qu'on fait l'incarnation. Imaginez que vous avez un enfant, vous l'envoyez à l'école, vous l'éduquez, et puis au lieu de travailler, il passe du temps à chanter le nom du père, le nom du... votre nom. C'est, Dieu doit être dans la même situation. De voir des enfants à qui il a tout donné, qui au lieu de travailler, parce qu'il a donné toutes les ressources pour travailler, ils sont allés dire à toi la gloire, à toi machin. Vraiment, comme parents, vous serez très déçus. Imaginez que Dieu l'est. Oui, on ne peut pas être là que Dieu nous a tout donné. Donc il attend tout de nous prioritairement. On est là, on dit qu'on a tout mis entre ses mains. On est là, on dit que à lui la gloire, ainsi de suite. Il n'a pas besoin de ça. Quand tu as ton enfant là, tu es le père. Oui, tu n'as pas besoin qu'il te rappelle que tu es son père, machin. Tout ce que tu attends de lui, c'est qu'il valorise l'effort que tu as fait pour l'éduquer, ainsi de suite. Je pense que c'est ce que Dieu attend de nous, Africains. Que nous changeons les choses, que nous mettions au travail. Et je crois qu'on nous a mal expliqué les choses. Que les gens ont voulu transformer le message de Dieu en un message d'attente de providence. C'est une interprétation qui visait à nous encapsuler. Donc la religion elle-même n'est pas le problème. Relisez la Bible, le Coran, dans une perspective de dépassement de soi, dans la dimension authentique de ce qu'est la religion. Quelque chose qui nous libère et qui nous amène à aller vers le bonheur qu'on construit nous-mêmes. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Et vraiment, la foi est importante, hein, surtout pour nous les Africains, parce qu'on peut mal me comprendre. Quand tu fais un projet en Afrique, si tu n'as pas la foi, tu ne le fais pas. Pour une raison simple. Si tu veux faire les équations de réussite, très souvent, tu te rends compte que c'est impossible. Et tout le monde autour de toi te dit que c'est impossible. Donc, la seule chose qui t'amène à te lever et à faire, c'est parce que tu te dis que tu vas faire et au fur et à mesure, on va voir. Tu as la foi. C'est-à-dire que tu sais que la providence viendra. La providence ne vient qu'en chemin. Mais on a formé des Africains qui imaginent la providence, qui imaginent Dieu comme quelqu'un sur qui peuvent se reposer sans rien faire. C'est une grosse aberration qui nous pompe du temps, qui nous pompe de l'énergie, qui nous détruit. Et il faut qu'on prenne les choses en main, à commencer par le clergé. Il faut trouver les ressources religieuses qui nous embarque vers la construction de notre bien-être collectif. Parce qu'on a les ressources pour ça. Évidemment, avec foi, parce que tu ne peux jamais anticiper sur la bonne... Je ne savais pas que j'allais rencontrer Claudel aujourd'hui. Tu ne peux pas anticiper sur les bonnes rencontres. Tu ne peux pas anticiper sur les opportunités qui vont te tomber en route. Mais ces opportunités arrivent précisément parce que tu travailles. Et je crois que Dieu est vigilant et attentif aux gens qui travaillent. C'est pour ça que je répète, travailler, c'est prier trois fois. Voilà. Travailler, c'est prier trois fois. Travailler, c'est prier trois fois. Travailler, c'est prier trois fois. Une fois de plus, ma personne, ça fait un moment que je ne me suis pas prêté à cet exercice d'analyser une prise de parole d'un aîné pour pouvoir en tirer la quintessence afin de t'aider à y voir plus clair, afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc, comme tu auras pu le constater dans cette vidéo, aujourd'hui, on écoutait un grand frère du côté du Cameroun. Et merci au docteur Koden Oubissi d'avoir pu nous capturer cette vidéo qui est très intéressante, très enrichissante. Le grand frère en question qui produit cette vidéo-là, qui est dans la vidéo, j'ai oublié son nom, c'est un ingénieur qui, lui, parmi les produits qu'il a eu à commercialiser, il conçoit des couveuses pour des bébés qui viennent au monde avec des problèmes de santé très avancés. Très souvent, il utilise les couveuses pour des prématurés. Donc voilà. Et il conçoit ces couveuses depuis le Cameroun. C'est d'ailleurs suite à ces couveuses qu'il s'est fait connaître du grand public. Bref, vous pourrez taper sur internet ingénieur concepteur de couveuses au Cameroun. Je pense que vous aurez son nom. Moi, je l'ai cherché, mais j'ai oublié son prénom. Donc, voilà. Bref. Donc, moi, j'aimerais qu'on analyse ensemble deux, trois choses qu'il a dites dans sa prise de parole afin qu'on puisse grandir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que si tu es déjà à attendre la dernière minute, eh bien, elle est arrivée. Le week-end de l'écrivain 2023, c'est ce samedi du côté de l'hôtel Hilton à Roissy-Charles de Gaulle. Je tiens à préciser que c'est une place achetée
une place offerte. Il ne reste plus beaucoup de place. Donc, si tu es du genre à attendre la dernière minute, c'est maintenant ou jamais. Il y a de fortes chances que si tu traînes trop, dans 2 jours qu'il n'y ait plus de place, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pour en savoir plus, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Je tiens à préciser qu'on aura des invités de marque. On aura une ancienne première dame. Je préfère ne pas te dire le nom pour le moment. On aura des anciens ministres. Bref, il y aura la crème de la crème. Donc, je fais cette vidéo rapidement. Alors, première chose que j'aimerais te dire, c'est que travailler, c'est prier 3 fois. J'ai fait la publication de ce petit message sur notre page Facebook Aralif. Et beaucoup de gens commençaient à ajouter, à s'agiter, blablabla. Pourquoi beaucoup de gens refusent de réfléchir? Pourquoi beaucoup de gens refusent de réfléchir? Quand il dit travailler, c'est prier 3 fois, il entend, tel que moi je comprends le message, ça veut dire que le travail passera toujours avant la prière. Quelqu'un qui va avoir des résultats, quelqu'un qui va avoir de l'impact dans ce monde, doit travailler. Prier, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit honnête avec ça. Et je crois que beaucoup de croyants sont de gros paresseux, mais en plus de cela, beaucoup de soi-disant croyants ne croient pas en Dieu. Je répète, beaucoup de soi-disant croyants ne croient pas en Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si tu dis que tu es croyant, tu te lèves tous les jours, tu pries. Tu dis que tu es croyant. Tous les jours, tu te lèves, tu pries. Tous les dimanches, tu es à l'église pour prier Nzambe. Ce même Nzambe-là qui t'a fait comprendre qu'il t'a tout donné. Il t'a donné un cerveau, il t'a donné des mains, il t'a donné des pieds. Bref, il t'a déjà fait comprendre que tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ta vie. Mais quand on te demande de poser le moindre acte, tu dis que tu as peur. C'est alors en quel Dieu que tu crois? Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, mais tu n'as pas le courage de lancer un business. Parce que tu as peur de perdre ton argent. Ça veut dire que tu ne crois pas à la capacité de ce Dieu-là de te donner la force de pouvoir gérer un business. Tu crois alors en lui quand il faut faire quoi? Donc ta foi se limite seulement lorsque tu vas à l'église prier. Ta foi se limite seulement lorsque tu vas dire aux gens qu'il faut croire en Dieu. Lorsque tu viens nous insulter sur Internet pour lui dire que Dieu existe. Parce que la vérité, c'est ça. Il y a beaucoup de croyants qui ne foutent rien et de non-croyants qui accomplissent beaucoup plus. Peu importe en qui tu crois, en quoi tu crois, j'ai envie de te dire que moi, j'ai des gens qui pensent qu'il y a un être suprême. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent Bouddha, il y en a qui l'appellent Allah, peu importe. Et si tu veux démontrer que ta croyance là est si puissante que ça, ce n'est pas à travers les ribababababa qu'on raconte partout. Ce n'est pas à travers le bavardage. C'est à travers des actes et des réalisations que tu réussis à voir, c'est tout. Laisse tes actes parler pour toi-même. Parce que si aujourd'hui on voit un croyant qui a peut-être 8 immeubles, qui a toute une compagnie d'aériennes, qui fait des choses concrètes. Mais tout de suite, on va se dire, bon, peut-être que le Dieu qui prie là, c'est un Dieu qui peut nous permettre d'accomplir de grandes choses. Tous les jours, c'est vous qui priez, ribababa. J'arrive dans les églises partout, on prie en langue, ribababa, machin, truc. Mais quand tu vas regarder sa vie, il est foiré. Tu lui parles d'un petit business, il te dit que l'argent, c'est le diable. Tu lui parles d'un petit business, il te dit qu'il a peur d'investir. Tu crois alors en quoi? Tous les jours, tu dis que tu crois en Dieu. Le Dieu qui est suprême, le Dieu qui est trop fort, le Dieu qui a tout mis en toi. Mais tu n'arrives même pas à impacter la vie d'une personne. Si ça n'est de venir lui réciter les versets bibliques tous les jours, alors versets bibliques que toi-même tu ne comprends pas, auxquels toi-même tu ne crois pas. Parce que la vérité, c'est ça. Je vais peut-être blesser certaines personnes, mais je suis désolé. Beaucoup de gens qui prient ne croient pas en Dieu. C'est juste pour faire bonne figure. D'aucuns vont à l'église juste pour avoir une communauté de personnes avec qui ils vont passer du temps. Oui, la vérité, c'est ça. Beaucoup de gens vont à l'église, sont même anciens d'église, sont même dans la chorale, sont même serviteurs. Soit c'est parce que c'est papa et maman qui les envoient. Soit parce qu'ils veulent appartenir à une communauté, ils se sentent seuls. Ils se disent que bon, peut-être en allant à l'église, j'aurai une communauté de personnes avec qui je vais passer le temps. Soit ils y vont juste pour être bien vus, pour aller pour chercher un mari ou une femme. Oui, c'est ça la vérité. Vous pourrez tromper les hommes, mais vous ne pourrez pas tromper l'univers, c'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. L'être qui, par essence, est le plus riche au monde, et toi, tu es fauché, ça n'existe pas. Tu as des réalisations mineures, tu ne crois pas en Dieu. Tu es un faux croyant, ça c'est ce que je pense. Donc, comme il a dit, la providence se trouve sur le chemin. Tu ne peux pas dire que tu vas attirer sur toi les grâces d'un Dieu que tu pries tous les jours, mais tu ne fous rien. Tu es assis tous les jours, tout ce que tu sais faire, c'est prier. Il s'est dit, il y a des gens ici que tu vas les voir, tu leur dis que tu as un problème. Tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est « je vais prier pour toi ». Il y a même des femmes
Ils disent que leur seul travail dans le foyer, c'est prier. Chercher l'erreur. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Hein. Mais la vérité aussi, c'est que beaucoup de soi-disant croyants ne lisent pas la Bible. Ils se contentent juste d'aller à l'église, écouter le pasteur qui parfois parle très bien, il y a du spectacle et tout, ça les touche, c'est tout. Ils ne lisent pas la Bible. Ils disent qu'ils sont croyants. On dit qu'il y a un livre saint, mais ils ne le lisent pas. Et tous les jours, c'est eux qui vont venir te dire qu'il faut croire en Dieu. Tous les jours, c'est eux qui vont venir m'insulter sur Facebook, alors que le même Dieu là leur dit. Il ne faut pas médire sur le nom des gens. Mais les mêmes gens tous les jours sur les faux profils, lorsque tu avances, est-ce que tu avances une opinion qui va à l'encontre de ce qu'ils pensent, tout de suite, on t'insulte. Moi, je ne sais pas si c'est le Dieu là que vous priez et que vous lui demandez de suivre, ça va être compliqué. Moi aussi, je suis croyant, hein, mais il y a une manière de croire avec laquelle je ne suis pas d'accord. Si tu veux que tu en suives ton Dieu dont tu parles là, pose des actes. Parce que si moi, je vois un non-croyant qui a des réalisations, par rapport à quelqu'un qui dit qu'il croit, mais il ne réalise rien, je vais suivre qui? Je vais suivre celui qui est non-croyant. C'est clair, net et précis. Il faut qu'on soit OK avec ça. Deuxième point. Dieu nous a tout donné. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais est-ce qu'ils savent que leurs mains, tes mains, c'est une richesse? Aujourd'hui, je passais à Saint-Charles, la gare qui est ici du côté de Marseille. Et quand je sors du bus, il y a un monsieur qui me demande si je ne peux pas lui donner 1 euro. Je le regarde, il a ses deux mains, il a sa tête, il a ses deux jambes. Bref, il a tout sur lui. Mais moi, je dois lui donner 1 euro. Moi, je pense à où? Moi, je ne comprends pas les gens qui ont déjà tout sur eux, mais ils se contentent toujours de demander aux autres. Les autres prennent où? Ils utilisent le même cerveau que tu as, les mêmes mains que tu as, les mêmes pieds que tu as pour générer de l'argent. Et ils demandent aussi au même Dieu là auquel tu demandes. Mais c'est juste que comme en demandant, ils posent des actes. Ils croient qu'en posant certains actes, le Dieu là va bénir leurs actes. Comme ça, ils pourront accomplir ce qu'ils souhaitent accomplir. Pour ceux qui lisent la Bible, même dans le film de Jésus que j'ai regardé par le passé, on a multiplié le pain. On n'est pas parti de rien. Il y avait d'abord le pain qu'on a multiplié. Il y avait le poisson qu'on a multiplié. On n'est pas parti de rien. Donc le message que moi je comprends derrière ça, c'est qu'est-ce que toi tu as d'abord fait? Parce que beaucoup de gens lisent la Bible, même ils ne comprennent même pas. Ils regardent le film de Jésus, même ils ne comprennent pas. Bref, vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Il a multiplié le pain, non? Il a multiplié le poisson, non? Il a transformé l'eau en vin, non? Pourquoi il n'est pas parti du vent comme ça, là, seulement fait apparaître le pain, fait apparaître le poisson, fait apparaître le vin? Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est pour te faire comprendre que toi aussi, si tu veux t'attirer les bénédictions, 1000 fois 0, ça fait 0. C'est clair, 1000 fois 0, ça fait 0. Fais ton job. Fais tout ce que tu as à faire. On ne t'empêche pas de prier. Fais ce que tu as d'abord à faire. Ensuite, tu pries. Et ensuite, maintenant, tu vas attendre les bénédictions. Parce que les bénédictions ne dépendent pas de toi. Même quand tu demandes ces bénédictions, ça ne dépend pas de toi. Il faut d'abord que tu fasses tout ce qui est à ton pouvoir. Et si tu ne crois pas que c'est possible qu'on puisse, qu'en posant certains petits actes, si tu ne crois pas qu'en lisant, si tu ne crois pas qu'en allant à des conférences, si tu ne crois pas qu'en discutant avec un millionnaire, le Dieu que tu pries là, peut bénir les paroles que le millionnaire va te dire pour que ça puisse avoir un impact dans ta vie. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Vous ne croyez pas? Ou du moins, vous croyez en tout, sauf en vous-même. Voilà pourquoi tu vas voir des gens. Quand on dit formation sur l'entrepreneuriat, personne ne parle. Dès qu'on dit que le prêtre va chanter la messe, machin, truc, tout le monde court. Quand on dit qu'il faut cotiser les 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 euros sortent. Mais quand il y a quelqu'un qui va te former, il dit que non, payer 100 euros, 200 euros, 300 euros, payer 79 euros pour assister au week-end de l'écrivain, c'est cher. Il n'y a pas de magie, mon gars. Si je n'ai pas prêt à investir en toi et tu veux devenir riche, c'est ça qu'on appelle la définition de la sorcellerie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être OK avec ça. La providence, qu'on reste couché et on attend que les bénédictions viennent. Tu vas attendre jusqu'à devenir Tangana, ça ne viendra jamais. Donc, si tu veux démontrer aujourd'hui que tu crois vraiment à ce que le Dieu l'a fait, mets-toi en action aujourd'hui. Parce que c'est là, c'est ça la foi, non? C'est que tu agis en espérant que quelque chose de bien va se passer demain. Mais il faut d'abord agir. Rien ne se passera si tu ne fais rien. C'est comme ça que les choses marchent. Il faut d'abord que tu fasses des preuves avant que les choses viennent à toi. C'est comme ça. Mais pour le faire, il faut commencer par croire. C'est fondamental.
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a toujours une force invisible dans tout ce qu'on fait. Mais maintenant, pour que cette force invisible-là impacte ta vie, il faut déjà que tu attires cette force invisible-là. Mais ce n'est pas seulement en allant t'enfermer à l'église. Parce que dans aucune église, je dis bien, aucune Bible, on ne t'apprendra comment, j'ai envie de dire, souder, ou comment souder peut-être une jambe cassée. Je dis souder, c'est même pas l'expression, mais bref, tu as compris. On ne t'apprendra ça dans aucune Bible. À un moment donné, il faut aller se former. Donc, si tu es OK sur le fait que pour devenir médecin, il faut se former, pourquoi si pour devenir médecin, tu ne vas pas prier et attendre que l'onction de la médecine te tombe dessus? Pourquoi tu ne le fais pas? Imaginons qu'aujourd'hui, tu dois monter dans un avion. Et le pilote qui vient, il te dit que j'ai reçu l'onction divine. Est-ce que tu vas monter dans cet avion? Un pilote sort de nulle part. Et il vous dit, je ne me suis pas formé au pilotage. Mais le Seigneur m'a parlé, je sens qu'il a mis en moi l'onction du pilotage d'avion. Et grâce à cette onction-là, je vais venir piloter l'avion. Est-ce que tu vas monter dans cet avion? Non. Mais si tu n'arrives pas à monter dans cet avion, pourquoi est-ce que tu acceptes que quelqu'un dont tu ne sais pas d'où il est venu vienne te dire que oui, ta vie a fait ci, ta vie a fait ça? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Aussi bien que pour devenir médecin, tu dois aller à l'école te former à la médecine. Et ensuite, tu pries pour que toutes les conditions se réunissent pour que tu puisses continuer à avancer. Autant si jamais tu veux devenir riche, tu dois aussi accepter d'aller apprendre auprès des riches et espérer que, en priant, l'univers puisse mettre les bonnes personnes sur ton chemin afin que tu puisses continuer à avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Dernier point avant de sortir de cette vidéo, je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, c'est que les gens pensent que ils vont tout recevoir de Dieu. Il y a des choses qu'on obtient grâce à la prière. Il y a des choses qu'on obtient grâce au travail. Donc, note ça quelque part. Et tant et aussi longtemps que tu ne seras pas OK avec ça, tu n'avanceras jamais. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. Hein? Donc, restez là. Sache que ton niveau, j'ai envie de dire quoi? Le succès que tu as ne dépend pas du niveau de foi que tu mets dans la prière, mais du niveau de foi que tu mets dans ton travail. Je répète, le succès que tu obtiens ne dépend pas du niveau de foi que tu mets dans la prière, mais plutôt du niveau de foi que tu mets dans ton travail. Quelqu'un qui a la foi au fait que, en travaillant comme il faut, l'univers va mettre sur sa voie ce qu'il faut pour pouvoir atteindre son objectif, mais il va faire ce qu'il faut, il aura des résultats. Par contre, il y a des gens qui ne mettent la foi qu'en leur prière. Ils mettent toute la foi qu'il faut dans la prière, mais quand il faut travailler, ils ne foutent plus rien. Ils n'existent plus. Cherchez l'erreur. Bref, mon propos ici, c'est de t'inviter à comprendre une chose fondamentale. C'est que tu n'obtiendras rien si tu ne te mets pas à l'action. Peu importe, même si tu pries pendant 100 jours, sans t'arrêter. Même si tu dis les riz, pendant 100 jours. Sans t'arrêter. Si tu ne te lèves pas pour aller travailler, rien ne se passera. Ça, tu peux être sûr. Rien ne se passera. Si tu as quelques doutes, regarde juste tes tantes qui sont au quartier, qui tous les jours, dimanche, vont à l'église. Regarde juste leur vie. Et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Ouais. Ne ramenez pas la vie spirituelle dans des secteurs qui n'ont aucun intérêt. Ne ramenez pas la vie spirituelle dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Il y a des secteurs dans lesquels il faut travailler. Et maintenant, on complète ça par la prière. Bref, si tu as compris tout ça, ben, tu as tout compris. Je ne vais pas être plus long que ça. Ça fait plus de 19 minutes cette vidéo déjà. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Si jamais tu veux rencontrer des personnes d'un certain calibre, des ministres, des femmes de chefs d'État, le rendez-vous ce week-end de l'écrivain. Et si tu as quelques doutes par rapport à ça, je te mets tout ça sur la page Facebook Argent Livre. Tu verras les personnalités qui seront présentes. Je t'ai dit que cette année, le week-end de l'écrivain, c'est the place to be. Si tu veux avoir les bons contacts qui vont te permettre de level up, c'est au week-end de l'écrivain. Je ne t'en dis pas plus. C'était Valère Béliard, chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Bonjour à tous. Je me nomme Herman Kamgadeu, consultant en cybersécurité et également le promoteur de l'entreprise LikeUp Digital, qui est une entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises impactantes et innovante
à conquérir le monde à travers le produit et service grâce au marketing digital. Je suis également l'auteur du livre baptisé « Devenir un as du marketing digital » qui sortira, retenez bien la date, le 29 juillet 2023, ici à Roissy, Charles de Gaulle, durant l'événement détonnant baptisé « Le week-end de l'écrivain ». Durant cet événement, je partagerai avec vous les dernières techniques de marketing digital afin de propulser votre entreprise vers les sommets. Et également, avec le buzz actuel sur l'intelligence artificielle, je vous donnerai les dernières techniques afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir écraser la concurrence. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous le 29 juillet 2023 à Roissy-Charles-de-Gaulle, à l'hôtel Hilton, à Paris. On est ensemble. En prélude de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yamputin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancac à Yaoundé. Au programme, conférence dédicace, partage d'expérience, apéritif dînatoire, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, onglet événement. Contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74. Le week-end de l'écrivain tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.